Et nous, Edgegunon Guige. On est de retour, Battletech. J'aime bien ce petit jeu, j'aime bien. Alors, on a le Locust qui va être prêt. Le Locust, on avait mis des lance-flammes, donc je voudrais bien tester les lance-flammes. Et on a le Vindicator qui va être réparé dans 11 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait fait au Vindicator en fait? Je viens d'y penser, mais je me rappelle plus de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait au Vindicator pour le changer? On a mis des... Ah oui, j'ai rajouté des heat sink, je crois. Je sais plus. Bref. Alors, nous avons deux parties du Panther. Panther, ça a l'air sympa. Et on a une partie du Commando. Le Commando est... 3 charges laser, 1 missile, 2... Là, on a 4... Je pense que le Panther serait mieux. Non? Enfin, le commando a l'air... Ouais, il a une bonne, un bon mouvement. Enfin, faudra, on verra ça. On verra ça. On a toujours notre bon vieux Blackjack. Le Blackjack, c'est un peu le truc de base. Enfin, c'est le mec de base qu'on a. Mais il est quand même très très puissant. Hein. Il est très très puissant. Parce qu'en fait, il... Pardon. Il y a énormément de... d'armes montées. Enfin, en fait, il y a du 4 lasers... de balistique, enfin, ouais, c'est cool, c'est juste cool. Donc c'est vrai que bon, c'est pas mal. Bref, on est là pour regarder des contrats. Donc on a 11 jours, on a 11 jours à perdre en fait. Alors là, on a du contrat travel, meet your new client. Alors ça, c'est pour rencontrer la personne. La dernière fois, on avait vu qu'on avait une personne qui nous avait contacté, une femme qui est très riche apparemment. Mais on va pas le faire, pas maintenant. Là on a une mission avec beaucoup d'argent. 17 jours de voyage. Donc c'est parfait, je pense. Je pense qu'on va aller là-bas. Ça a l'air facile. Battle, Lowland, ça va. Il n'y a pas de truc très très spécial. On pourrait demander plus d'argent ou pas. Bonus. Ah, là il y a du bonus. Alors si on demande moins de trucs, on a plus de bonus de réputation en fait. Ouais, mais bon, moi j'ai besoin d'argent. Salvage, on en aura 4. On peut en choisir un seul. Ouais, c'est bien. Ouais. Roger that, Commander. Roger that. C'est parti. On va faire ça. Donc voilà, on arrive dans 13 jours. Très bien, tout le monde sera prêt. On aura tous les mecs de près et tous les gens de près aussi chez nous. En tout cas, bah ça se passe bien, franchement. Hein. Rien à dire, franchement, sur Battletech, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ça manque de punch. Front Mission 3, c'était une aventure. Je sais. Tout le monde va me dire, oh, t'arrêtes pas de parler de ce jeu. Je sais. Job's done, Commander. Ok, next job, très bien. Oui, je sais que je parle beaucoup de ce job, mais... Voilà, j'entends le mec dire job et voilà. Non, mais... je le compare beaucoup parce que pour moi, c'est... J'aurais voulu... Proceed, on est prêt. J'aurais voulu... ça me manque, moi, les jeux comme ça. Ah oui, non, putain, j'ai peur. Je me disais, putain, mais ils sont où tous les robots? Est-ce que je suis limité au juste au light? Et, parce que j'en ai qu'un seul. En fait, non, ils sont déjà tout prêts. On a le Spider, on a le Locust qui est prêt. On va tester un peu le Locust. Quoique le Spider, il est bien aussi. Hein. On a vu que le Spider était bien. Donc on va tester le Locust parce que voilà, il y a deux flames, de flamer et du laser. Donc ouais, c'est cool. On va faire ça. Alors le Locust, ce qui est chiant, c'est qu'il peut pas sauter pour le moment. Pour le moment, c'est ça notre problème du Locust, c'est qu'il peut pas sauter. À la limite, le Spider est plus intéressant. Mais je veux tester les lance-flammes. C'est parti. Direction enfer, sans escale.
Ouais, c'est, voilà, moi depuis Front Mission 3, enfin le 4 et le 5 aussi étaient bien. Depuis ça, depuis ces vieux jeux là de méca en fait tour par tour, ben, j'en trouve pas, hein. J'en trouve vraiment pas des bons. C'est que des jeux action maintenant. Même Front Mission, genre Front Mission Evolve, qui est horrible. Et là, BattleTech pour moi c'est un peu l'espoir. Mais voilà, ça manque un peu, il y a des détails qui me manquent moi personnellement. Ah, énorme, je savais pas qu'elle pouvait. Ça c'est glitch, ça c'est la voix de glitch. Genre elle a dit faut vite en finir qu'on puisse aller nager. C'est énorme. Je pensais pas qu'elle allait faire ça. Pour glitch, faut pas qu'elle crève. Faut vraiment pas qu'elle meure, je l'aime bien moi. Bon, détruire les mecs ici, ça va, c'est bon. Alors, Medusa, Medusa, Medusa. Hop, hop. Location Toc, confirmed. toc, toc. Je sais plus si je lui ai mis l'habilité pour avoir deux charges. Evasive cover. Ok, on est bon. Ils nous ont pas encore vu apparemment. On est bien. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est vert? Ouais, c'est vert. On est tous des sapins. Voilà, on est tous des sapins. On est tous des feuillages. Your turn. Ok, cool. Waiting for orders. Ok, t'aurais une vue sur lui. Faudrait les attirer en fait. On pourrait les attirer ici. Ça peut être pas mal. Ok. More bandits incoming. Ok, très bien. Ah, évasive mouvement, passive. Génère un extra passif. Ouais, non, c'est ça. C'est bon, c'est que c'est passif, ça. Ok. Hop là. Maintenant, on les attend qu'ils viennent. Notre Médusa va être un peu le... l'appât, en fait. Pour qu'ils viennent et qu'ils tirent dessus. Normalement, ils vont louper, voilà. Parce que Medusa il a une très très bonne évasion. Ah c'est ça, les charges évasives elles sont là, elles sont à droite. Je crois, c'est ça. Ok alors fais voir un peu. Yes, on a du tir. Par contre. Ah c'est bon, on a du tir et elle est cachée. Très bien. Alors un truc qui est bien avec elle, c'est qu'on pourrait la foutre dans l'eau. Bon, on peut pas parce que là l'eau elle est pas vraiment au bon endroit. Mais avec l'eau, bah du coup, elle surchauffe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par contre, on surchauffe beaucoup moins que la planète précédente. Parce que la planète précédente, il y avait beaucoup de chaleur. Donc là, on est à moitié. Là, on va pouvoir tirer deux fois d'affilée, je pense, avec les deux canons. Commencing Alpha Strike. Alors ça, c'était complètement overkill. C'était complètement overkill. C'est pas grave. Ouh, il y en a un là. Qui s'échappe, peut-être. Normalement, ils sont pas prévus. C'est pas prévu qu'ils s'échappent. Intéressant. Garde. Standing by. Ok, Behemoth, faut qu'elle avance. Behemoth, faut qu'elle ait une... Oh. Ah oui, il lance missile. Oui, il lance missile. Behemoth, faut qu'elle ait une mobilité plus grande. Parce que je voudrais en faire une sorte de tank. Enfin, je sais pas si c'est vraiment possible, en fait. Taking the shot. Yeah. Elle a fait du 100%. Bien joué. Alors, Locust. Faudrait qu'il tire sur le Locust. Très bien. Très très bien. Dégâts minimes. Très bien. Plus que deux évasions. Mais il devrait être bon. Très
Très bien, dégâts minimes. Très très cool. Light damage. Holding firm. Et en plus, on l'avait mis en garde, donc vous voyez le petit bouclier. Donc on l'avait mis en garde. Orders. Donc il prend pas beaucoup. Alors on a du lance-flamme. Vas-y, tu vas te mettre là. Alors est-ce que c'est un peu dangereux de se mettre... Attends. On va se mettre là peut-être. Attendez. J'essaie de bien me placer pour pas trop montrer mon dos en fait. J'aime pas montrer mon dos. Je vais pas montrer mes fesses en public. On va voir. Parce que je veux tester les lance-flammes aussi. Voir un peu comment ça marche. 80% partout, c'est très bien. Locking in. All weapons. Ouh, c'est beau. Alors, ce sont des véhicules, ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose les lance-flammes sur les véhicules. Mais voilà, c'était pour tester. Alors. C'est bien là, tac, on a du 75 et du 85. Est-ce qu'elle va pouvoir tirer deux fois avec les deux canons, on va voir. Sans surchauffer. Ah merde. Non, on a une surchauffe. On a quand même une surchauffe. Du coup, on va tirer sur lui. Roger that. Firing on target. Très bien. Alors attends, parce qu'il y en a un qui est là-bas, là. On peut se mettre là, tu vois. Un peu... Ouais, les canons AC m'embêtent, en fait. Ah, pas mal. Engaging jump jet. Très bien. All weapons committed. Cool. Bien joué. Enemy unit destroyed. Alors après, moi, ce que je veux, ce que je compare encore après à Front Mission, je m'en fous. On va encore comparer ça à Front Mission. Si vous en avez marre, bah, je m'en tape. Ce que je veux aussi, c'est des différents mecs. Parce que dans Front Mission, ce qui était marrant, c'est que vous aviez des mecs avec 4 pattes, genre araignée, style araignée. Vous avez... araignée, c'est lui. Bref, il y avait 4 pattes. Il y avait des mecs hydroglisseurs qui pouvaient aller sur l'eau et tout en plus. Il y avait des mecs... Il y avait quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus trop. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça différents. Okay. Bon, il est toujours pas à portée de combat, donc on va en profiter. Brace... Moving to position. Alors un truc aussi, c'est que si on saute dans l'eau directement, il y a des certaines choses en fait, certaines choses ne vont pas marcher. Donc par exemple, je crois que le jump jet devient obsolète, ne marche plus parce que le robot en fait est plein de dos quoi, est plein d'eau. Donc voilà, ça marche pas. Je crois bien. Alors attendez, on va se mettre comme ça, là on est bien. On se met en défense et on devrait pouvoir esquiver plus ou moins les attaques. On pourrait mettre en vigilance. En vigilance c'est... Alors là on gagne garde, donc 50, dégâts réduits 50% et entrench, c'est réduit la chaleur de 50%. Mais là vigilance c'est... Et on gagne de l'initiative en plus. Okay. Voilà. Je sais pas exactement. Ouh, il est en train de partir. Bizarre. I hear ya. Bizarre, bizarre. Moving out. Ah, j'ai cru que je l'avais fait sauter. Je l'avais pas fait sauter. Ah, je l'avais pas fait sauter. J'étais quasiment sûr que j'avais fait sauter.
Encore une fois, j'ai pas fait sauter. Waiting for orders. Très bizarre ce qui se passe. Alors le sprint, elle va où? Copy that. Les deux, j'étais sûr de les... Ragnarok et Glitch, j'étais sûr de les avoir fait jump en fait. En fait, non. C'est pas grave. Commander. Alors... On va se mettre là. Là. C'est pas mal comme ça. I copy. Voilà, comme ça il a une vue. Qu'est-ce qu'il fait le tank? Mais le tank il est sous l'eau. C'est amphibie ces merdes. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'un tank de plusieurs tonnes puisse aller sous l'eau. Alors c'est peut-être pas un tank. What can I do for you? What can I do for you? Alors, est-ce que tu peux sauter plus loin? Ok, là on est... Ok, là tu devrais avoir une belle vue dessus. Ok, par contre elle est exposée. Bon, elle est un peu fragile. Donc c'est un peu dangereux, mais elle a deux canons qui font très mal. This should be good. Voilà, très bien. Knocked out a vehicle. GG. Mission. GG. Très bien joué. Mission complete. On a gagné 150k. C'est cool. Alors, on a pas mal de trucs. Bon, c'est surtout des armes parce que vu que c'est des véhicules. Alors, on a un AC5. Pff, je m'en tape. Je pense le LRM10. C'est 150k. Après le reste c'est du laser, enfin des trucs comme ça, on s'en fout un peu. Ouais, on va prendre ça et on a gagné. Ouais, ça c'est sympa. On a gagné des trucs, c'est cool. C'était que des véhicules, donc c'est pas très dur. Franchement très simple. Alors le lance-flamme est cool, mais le lance-flamme c'est surtout efficace bah, contre des gens en fait. Contre des robots. Contre des mecs. Alors d'abord on va regarder... Non, pas ça. D'abord regarder... Qu'est-ce qu'on peut acheter? Alors pour les armes, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Flamer... Je regarde s'il n'y a pas des choses en plus en fait. Non... Non, pas vraiment. En équipement, t'as toujours le heatsink et jump jet. Pas de nouveau. En mec, nous avons un... Donc on a un spider, on a un panther aussi. Et on a un locust, tout simple. D'accord, c'est cool. Est-ce que nos warriors ont monté de niveau? Toi, t'as 2005. Toi, faut que je choisisse en fait où tu dois aller. Je sais pas encore. Toi, c'est bien. Ça, c'est quoi ça? Pas mal, ça, lui il peut tirer et après bouger, ah, c'est intéressant ça, très très intéressant. Elle a 2000, donc ils peuvent avoir que 3 habilités chacun, je crois bien. Donc faut bien choisir, donc par exemple elle, ça c'est quoi ça? Elle c'est un passive, si elle tire avec un seul canon, elle ignore la couverture et l'état de garde. Donc ça c'est pas mal parce que elle des fois elle tire à... avec un canon parce qu'elle est en surchauffe. Donc je pense que ces deux là je vais prendre et après je sais pas trop quoi lui rajouter. Le sensor lock ça peut être sympa. Sensor lock ouais. J'aime bien l'évasion mais bon elle est sniper donc elle va pas vraiment être en plein combat. Et après, garder, là, elle prend moins de dégâts encore. Ouais, non, c'est pas très intéressant. On va prendre ça, confirme. Training confirmed, Commander.
Par contre, je pense qu'il faudra qu'elle s'avance un peu pour le sensor lock, pour l'activer. Enfin, on verra ça un peu comment ça marche. Ready for orders. Ready for si orders. Ça marche pas comme je veux, bah, on se débrouillera autrement. Et toi, je pense que... Toi, je sais pas encore. J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Est-ce qu'on a besoin de modifier nos petits lobos? Non, je pense pas. Vindicator, on peut toujours rajouter encore plus de heatsink, mais pour l'instant ça va, on se débrouille. On pourrait en mettre plus, mais bon. À chaque fois ça prend de la place quoi. Ça prend de la place. Là, on est en train de lui réduire l'armure maximum. Dangereux ce que je fais, mais bon, elle fait tellement mal. Plus elle tire et plus mieux c'est en fait. Logged and noted. Vous voyez ce que je veux dire? 4 jours, ça va. Vous voyez, plus elle tire et mieux c'est avec elle. Donc bon, à la limite, c'est pas très grave. Il y a juste bon, le problème dans mon équipe pour le moment, c'est juste le locuste qui tire pas. Locus qui tire pas, ça c'est emmerdant. Alors nous avons là on a un Krawim, ça c'est non supply base. Ça c'est la mission principale, ça on le fera plus tard. Là on a un voyage de 22 jours et là on a d'autres missions polaires. Ouh, intéressant ça. Je crois qu'on va faire ça la prochaine fois. Ça, parce que ça, ça sera sympa de regarder un peu comment ça marche avec le truc, enfin la chose qui fait froid quoi. On a deux missions à faire ici. Bon, on les fera peut-être et après on en a une autre qui est avec un crâne et faut bouger pendant 22 jours. Par contre, on va faire passer des jours, on va faire passer 4 jours. Ready to go over financials whenever you are. Ouais, ça coûte cher quand même. On va devoir. Job's done, Commander. Ok, cool. On va devoir demander de l'argent, je pense. Enfin bref. Allez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. C'est bien passé. Prochaine fois, mission. Prochaine fois, mission, contrat, l'un ou l'autre, on verra. Ça ou ça. Asset retrieval ou supply base. La base, ça peut être pas mal. C'est une base qui a besoin d'être détruite. Et ça, c'est quoi? Des pirates qu'il faut tuer. Il faut récupérer en fait une technologie qu'ils avaient trouvée. Et en fait, ils sont fait attaquer par des pirates et ils sont fait kidnapper. Bref, faut sauver des gens. Genre, un c'est détruire une base, l'autre c'est sauver des gens quoi. Allez, à la prochaine, salut, ciao!